Nous allons partir du téléphone classique que tout le monde connaît. Monsieur A et Madame B ont tous les deux le téléphone. Ils ont tous les deux un abonnement à France Télécom. Ils peuvent se parler en utilisant les fils de cuivre du réseau téléphonique. Nous pouvons aussi utiliser les lignes de cuivre du téléphone classique pour accéder à Internet grâce à l'ADSL. Pour cela, je dois avoir un contrat avec un fournisseur d'accès à Internet représenté en 1 et 2. Ce dernier fournit une box dessinée en 5. Ainsi, mon ordinateur représenté en 7 aura accès à Internet en passant par la box, puis la ligne de cuivre de mon réseau, et enfin les DSLAM dessinés en 3. Il est possible d'utiliser le téléphone classique comme représenté en 6, en même temps que ma connexion ADSL. Pour cela, il faut utiliser un filtre, comme ici représenté en 4, qui permet de transporter l'ADSL et le téléphone sur le même fil. Le téléphone IP est raccordé à la box. Dans ce cas, la voie passe par le réseau ADSL. Sur ce schéma, nous avons l'Internet ADSL, le téléphone IP et le téléphone RTC. Il est donc possible de téléphoner par le téléphone classique, que l'on appelle téléphone RTC, et par le téléphone ADSL, que l'on appelle téléphone IP. Si vous le souhaitez, les fournisseurs d'accès à l'ADSL proposent de supprimer le téléphone classique. C'est ce que l'on appelle l'ADSL nu. Cela vous permet d'économiser l'abonnement à France Télécom. Vous pouvez garder le même numéro de téléphone. C'est ce que l'on appelle la portabilité du numéro. En plus de l'Internet et du téléphone IP, la plupart des fournisseurs d'accès proposent la télévision par ADSL. Mais pour bénéficier de ce service, il faut être en zone dégroupée. Ce schéma résume tout ce que nous venons de voir avec la totalité des services accessibles par l'ADSL. De cet examen des box, si elles ont toutes un fonctionnement identique, il existe quelques différences qui peuvent influencer le choix d'un fournisseur d'accès à Internet. Le nombre de connecteurs réseau est de 4 sur toutes les box. Seuls Free et Alice en proposent 5.
Un disque dur dans le boîtier TV est possible avec toutes les box, mais en option payante. Free est le seul à le proposer dans son forfait sans supplément. L'accès Wi-Fi est présent sur toutes les box. Toutes ont gardé l'ancienne norme Wi-Fi. La Live Box 2, la Free Box et Alice Box sont les seules à utiliser la dernière norme plus performante. Enfin, Free est le seul à fournir gratuitement des boîtiers CPL. Ils sont en option payante chez les autres.